Alors, peu importe côté que douleur ça a sorti, origine douleur dans le dos a sorti, ce qu'on a besoin de retenir, c'est que très souvent, on a fait activité, nous, qui s'accrée les contractions, les muscles, ils doivent contracter pour permettre qu'on fasse mouvement ça. Et les muscles, ça a eu un rapport avec les vertèbres qui sont localisés dans la zone lombaire là. Donc, les muscles ça eu affecté, eh bien, les enfants font effort, ils sont capables de gagner douleur parce que les muscles ça eu affecté. Donc, son réflexe naturel, parce que les muscles sont là pour protéger, non, pour permettre que nous fassions activité, non, mais ils ont un problème, ils ont affecté. Donc, chaque fois que nous supposons faire un effort, la contraction des muscles là, fait nous sentir gagner douleur. Symptômes lombalgie. Quels symptômes généralement représentés? Comme nous l'avons dit déjà, une douleur lombalgique, son symptôme lié, ce n'est pas forcément maladie. Ces gens structures qu'on a formées, les gens anatomiques qu'on a formées, viennent rendre que très complexe à cause que y a différentes structures qui sont dans la zone ça. N'importe quelle structure qui est affectée a bail douleur. C'est ainsi que, au cas où il y a deux mondes qui ont la même douleur, qui ont le même problème de douleur dans le dos, mais leur poser aux questions pour décrire la douleur pour chaque bonne explication différente. Parce que tellement de causes capables différentes. Donc, comprenez bien, nous tous capables de douleur dans le dos, mais nous avons expliqué, nous avons expliqué de façon différente, parce que nous tous n'avons pas la même structure qui est affectée. Moi-même, c'est peut-être le muscle qui est affecté. Moi-même, c'est capable d'avoir un hernie que je gagne. Moi-même, c'est capable d'avoir une arthrose que je souffre. Moi-même, c'est capable d'avoir une arthrite que je souffre. Donc, nous avons des douleurs dans le dos, mais nous avons expliqué de façon différente. Alors, maintenant, nous avons expliqué presque en majeure partie comment une douleur dans le dos, les produits qui originent. On a essayé de parler maintenant de prise en charge de médicaments. Et avant que nous arrivions là, on a demandé peut-être qui leur doit consulter médecin, leur sentir ou douleur dans le dos, leur souffre douleur dans le dos, à quel moment de la durée où tu as doué médecin. On dit que dans certains cas, on douleur lombalgique, on douleur dans le dos, douleur lombaire, est capable d'indication de maladie grave comme le cancer par exemple. Est capable d'indication de fracture au niveau de la colonne vertébrale. D'où l'important pour connaître qu'il est pour un médecin, pour éviter toute aggravation. C'est très important. Douleurs sérieuses sont sorties après qu'on fait chute, sorties sur le dos, ou tomber par exemple, ou une machine au vol, ou tomber, une machine frappée. Si tu as senti que douleur ça a gagné, douleur dans le dos, c'est juste dans la nuit qu'on sent-il. Si tu prends des médicaments, que les corticostéroïdes, ou tu as senti que tu prends des médicaments sans avoir une douleur, si tu as senti que la douleur ou dans le dos, il y a tendance à descendre dans la jambe, eh bien, dans ces circonstances, tu dois voir un médecin plus vite que possible. Si tu as senti douleur dans le dos, il y a une faiblesse, il y a un engourdissement, tu as senti qu'on fourmille, pas qu'être fourmille. Quand marcher dans la jambe, dans la jambe ou dans toutes les jambes. Si douleur dans le dos, ça, il t'a accompagné des problèmes au niveau type digestif, au niveau intestin, dans la façon qu'on pipi. Douleur dans le dos, ça, ou sans tout grand problème pour pipi, tout là-dedans. Eh bien, à ce moment-là, vous supposez penser à un médecin. Si vous venez de faire l'incontinence, vous pipi souvent pendant que vous avez douleur dans le dos. Si vous avez remarqué que vous perdez du poids, vous avez fièvre pendant que vous avez douleur dans le dos, eh bien, vous devez voir un médecin dans ces circonstances. Donc, tout le monde qui a de 20 à 55 ans qui a douleur dans le dos, une douleur qui chronique, qui a pile temps, de longue durée, eh bien, il faut que vous voyez un médecin. Ou pas, j'en connais. Il est capable d'avoir un signe de cancer, il est capable d'avoir un signe d'ostéoporose, il est capable d'avoir un signe d'infection,
Même lorsqu'il y a un VIH, eh bien, ça va être douleur dans le dos. Tout. Donc, si vous avez douleur dans le dos qui dure en pile, il faut que le médecin. Ce sont des signes d'alarme, signes qui me sont cités là. Ce sont des signes qui vous indiquent que vous devez le médecin. Qui monde qui a risque? Même monde qui a risque pour gagner douleur dans le dos. C'est monde qui a levé en pile poids. Monde qui a travaillé dans la construction, travaillé maçon, mécanique. Qui a levé en pile poids lourd, monde ça yo, yo a risque. Monde qui a fait travail baissé levé tout le temps. Fille qui est enceinte. Parce qu'on fille qui est enceinte, il y a un poids lourd. De 9 à 12 kilos, l'a levé pendant 9 mois, qu'elle a porté pendant 9 mois. Eh bien, monde ça, tout le monde ça a risque pour souffrir de douleur dans le dos. Tout le monde qui pratique sport, l'a levé gros poids, comme je dit. Le monde qui a une mauvaise posture, qui a une chita mal, qui a une chita bien sous chaise, qui a une chita qui a penché le corps. Le monde qui porte des souliers, qui a un gros talon haut, le monde qui a fumé. Monde qui a pile stress, mais tout le monde ça sujet pour gagner douleur dans le dos. Sur un travail quoi faire, un travail qui est exigé pour lever gros poids, pour baisser lever tout le temps. Et bien tout, c'est monde qui a risque pour souffrir douleur dans le dos. Maintenant, quelle prévention qu'on est capable de faire? Prévention qu'on est capable de faire, il y a des moyens effectivement capable de faire. C'est essayer qu'on vit un mode de vie qui est plus sain. Comprendre, apprendre comment vous lever le poids. Côté que vous devez plier genoux, pour un poids, ce n'est pas pour baisser le dos, c'est deux genoux pour plier, pour aller pour avoir une souris, pour capable lever le. C'est pour faire régulièrement des petits exercices. Vous comprenez? Lorsqu'on fait gros mouvements, on pas courir, faire gros activités physiques, si vous pas faire sport par exemple, on pas courir, lever gros poids. Il faut commencer dans un petit exercice tout petit avant qu'on va lever le gros poids. Portez une attention particulière à mes abdominaux, mes muscles dans le dos. Il faut porter attention à vous-même. Il faut apprendre comment on fait l'exercice. Il faut avoir un monde, un moniteur qui va aider, non pas qu'on faire l'exercice pour compte. Il faut avoir un monde qui a entraînement, qui a une connaissance là-dedans, qui peut entraîner. Non. Fais ça. Apprendre une bonne posture, l'aide si tu as sous chaise, bonne si tu as bien, qu'il y a toujours une colonne vertébrale non, droite. Maintenant, chita, c'est pour garder devant et puis épaule non, bas sur arrière. Je vais reprendre ça pour nous. Faut être capable de contrôler posture non. Faut être capable de contrôler là. Dos non, supposé bien droite. Regard non, vers l'avant. Et puis, épaules bail en arrière. C'est très important. Lorsque vous levez poids lourd, c'est pour accroupir et plier genoux. Pendant que vous avez aller poids venir sous pour capable lever. Évitez mouvement de torsion. Si vous même appelez neige, par exemple, ou même qui vivez dans un pays froid, eh bien, pour faire ça, c'est pour placer les mains plus bas que possible dans la manche pelle là. Comme je dis déjà, plier les genoux non, pour ramasser neige. Ce n'est pas pour baisser le dos. C'est pour servir avec genoux comme un levier. L'eau va lever charge l'eau. Éviter mouvements qui sont capables de causer nos mal, des mouvements de torsion. Surtout si on a levé poids ou même si on a vu un pays froid, l'eau va peler neige. L'eau travaille. C'est pour mettre des ceintures, des boss travail, pour voir des ceintures, pour lever le poids lourd, des ceintures pour passer dans le rayon, pour lever le poids lourd. Si vous faites un travail qui campe tout le temps, eh bien, vous pouvez capable de servir une petite table, un petit tabouret, pour faire une tête, un petit repos pendant 5 à 10 minutes, vous mettez une dans le pied sur cette petite table là, si le travail est exigé pour camper, pour alterner puis ça. Si vous mettez le pied droit là, après 5 à 10 minutes, vous mettez le pied gauche là, pour capable prendre un petit repos. Si jamais vous faites un travail qui exige vous pour camper. Et si vous travaillez pour Chita, si Chita ou Chita, dans le bureau par exemple, ou bien c'est chauffeur
autour du Chita. Et il faut toujours faire un petit camping, travail là, pour détirer le corps un petit peu. Il faut détirer le corps pour éviter que monsieur soit trop fatigué. Sous Chita, sous bureau, utiliser des chaises qui sont capables de pivoter. Au lieu que c'est vous-même qui virez le corps à droite, à gauche, les chaises là capables de virer ensemble avec vous. Tout ça capable des mouvements de protection. Tout ça, ce sont des préventions qu'on est capable de faire pour éviter douleur dans le dos. Ajustez vos chaises là, côté que au chita, de telle sorte que genou est capable de placer plus haut que hanche. Ça, c'est important. Soit vous travaillez sur l'ordinateur, réglez votre écran de manière que les yeux soient fixés droit devant tête. Privilégiez sac dans le dos, si vous avez porté charge, vous avez transporté, et bien, plutôt porter sac dans le dos de préférence, au lieu de porter sac là dans la main, plutôt porter sac dans le dos. Soit vous levez poids qui l'eau, au lieu de lever poids, poussez le plutôt. Poussez poids, au lieu de lever le même, fait effort pour lever. Si vous poussez le, ça va aider autour. Évitez porter souliers qui ont un talon haut, plus que 5 cm. Portez plutôt des chaussures qui sont bien ajustées, qui offrent un bon soutien. Ce sont des mesures préventives qu'on est capable de faire pour protéger tout le monde de douleur dans le dos. Donc, l'autre approche. Maintenant, nous allons aller prendre et peut-être quelques médicaments qu'on est capable de prendre. Et avant d'arriver là, alors coucher sous côté plutôt. Coucher sous côté. Au lieu de coucher dans le dos. Sous ces gens qui sont furieux, et puis souvent, ils ont un gros fesse gros, les coucher sous le dos, et bien c'est parti dos, sous en haut, qui touche à cabane, avec des coucher cabane, avec un vide dans le temps. Et bien, gens de monde, ça c'est pour mettre un oreiller dans la place vide, ça, dans la place creuse, ça qui peut toucher cabane, et ça c'est pour mettre un oreiller là-dedans. Ça fait partie des préventions qu'on est capable de faire pour empêcher douleur dans le dos. Médicaments, grand pile médicaments et comprimés qu'on est capable de prendre pour soulager une douleur aiguë que les médecins sont capables de prescrire. Pour maîtriser la douleur là de façon temporaire pour une courte durée. Capable de prendre, les médecins sont capables de prescrire des médicaments simples comme acétaminophène, Tylenol, des anti-inflammatoires. Mais si la douleur est chronique, eh bien, il y a des injections qu'on est capable de prendre directement dans la zone côté douleur formale, des cortisones par exemple. Médecin, on connaît qui ça pour le faire. C'est peut-être ça l'organe douleur par arrêter pour compte. C'est ouais, médecin. Il y a l'autre médecine encore que les physiothérapies, qui est là-dedans l'exercice et massage. Donc, physiothérapie, il y a dos en pile, sous une douleur dans le dos. Mais c'est peut-être ça, m'a recommandé, non, pour nous consulter clinique, non, qui localise dans zone et. Plusieurs côtés, naturellement, en Haïti, aussi bien que Saint-Domingue, soit vivre en République dominicaine, et bien, on peut consulter nos sous-doualités dans la zone Mercado-Nuevo. Et téléphone, nous, c'est 809-210-4608, 809-210-4608. Parce que nous-mêmes, nous faisons une approche globale. Là, on se souvient d'avoir une douleur dans le dos, nous faisons une approche globale. Non pas seulement pour comprimer, seulement pour calmer la douleur là, mais nous faisons une approche globale, côté que nous réunissons plusieurs disciplines. Donc, nous pratiquons médecine conventionnelle et nous faisons physiothérapie pour nous essayer d'aider dos à douleur dans le dos. Pas hésiter, relez-nous. Au lieu que vous relez-nous plutôt, écris-nous par WhatsApp dans 809-210-4608. Si jamais vous avez un problème de douleur dans le dos, nous garantissons que nous faisons une approche intégrale ou bien globale pour nous aider à soulager. Donc, pas oublier, c'était médecin, Dr. Cyril-Emmanuel Sénéchal qui était avec aujourd'hui pour le compte de l'Église La Victoire sous Radio-Télévision La Victoire de Pasteur Raymond. Merci pour écoute. Bonne fin de semaine et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission sous santé.